Bonjour amis, de retour sur Cyberpunk pour la suite de la vidéo. Alors, allons dans la zone VIP. Alors. Ah, un petit truc à ramasser là. On va le prendre. T'es pas vilaine, la petite robotique. Alors. Allez. Là, c'est par là. Alors, allons-y. T'as une belle tête de vainqueur, toi. VIP est plus valide. Hein? T'as dit quoi là? Calmez-vous, monsieur. On devra vous escorter dehors. Bon. On va donc pirater la caméra. Oups. Les connards. J'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Bon, vous voyez, j'ai foiré le coup de la caméra. Alors. Voilà, je suis passé comme ça. Étage est réservé aux clients VIP. Discrètement, donc allons-y, trouvons ce mec. Qu'est-ce que je vous sers? N'importe quoi. Il a intérêt à parler vite et bien. Bonjour. Voilà, je suis donc arrivé. Je ne sais pas trop. J'ai pas vos détails. Désolé, mais je ne sais pas ce que je suis censé faire. Il faut que je contacte Evelyn Parker. C'est important. J'aimerais pouvoir. J'ai essayé de l'appeler une dizaine de fois, mais sans succès.
Tu veux dire qu'elle est pas là? Elle a eu un accident. Elle a dû partir pour une clinique spécialisée à Osaka. Oh, non, Oslo, je crois. Ouais, Oslo. Pour faire changer sa plaque faciale. C'est elle qui t'a dit qu'elle quittait la ville? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et là, il m'a dit qu'elle était partie. C'est que l'affaire de la voile. Où je peux le trouver, ce Woodman? Il doit sûrement traîner au bureau administratif. Mais c'est une zone complètement interdite aux clients. Ce Woodman, c'est qui? Monsieur Forrest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce monsieur Forrest, c'est quoi son boulot? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il aide à régler les problèmes. Compris. D'accord. Donc je vais donc mettre fin à la vidéo là, les amis, pour reprendre une vidéo plus tard.